Bonjour à tous, on est parti sur un petit peu d'archétype de cœur. Donc on a eu l'occasion de jouer un petit peu avec Royal et compagnie, avec des gros joueurs de golem. On est à 5333 trophées, donc on va faire quelques parties en loader, histoire de remplir les coffres, idéalement de monter, allez, 5400, un truc comme ça. Et pendant ce temps-là, on va en discuter un petit peu du golem, des différentes mécaniques, de quel deck il est bien, dans quel mode de jeu, et compagnie. Alors déjà, de la fin de Royal... En super défi, ils préfèrent les archétypes plus défensifs, comme avec la cage goblin et le sorcier de glace, qui lui permet de, bah, d'avoir plus de chances de temporiser, de l'emporter, et ils trouvent que ça rentre mieux dans ce mode de jeu avec la foudre et compagnie. Dans le ladder, ils préfèrent largement la version qui n'a pas de gros sorts. Alors désolé, on va mettre quelques unités sur le terrain, histoire de répondre un peu à tout ça. Là déjà, bon bah voilà, le premier push il va être compliqué, hein, parce que le prince il nous embête un peu, mais on va tempo encore un peu avec les squelettes, et normalement ça devrait tenir, ouais ça devrait tenir, ok. Heureusement que c'est le prince qui a l'aggro, hein, parce que sinon... ok, bon là il a l'avantage en élixir. Bah alors là, sur ce genre de push, j'avais pas le golem, donc je pouvais pas répondre avec sorcière de la nuit, golem ou genre de truc, et c'est un archétype qui est vraiment très compliqué à gérer en x1, notamment à cause de la petite unité qu'on voit là, ainsi que du prince. Ouais, la mousquetaire et le prince sont vraiment badass contre notre deck en x1. Bon, cependant, là, elle a pris l'aggro, on va pouvoir redéfendre avec un autre bûcheron. Notre but, ça va être vraiment essayer de diminuer les dégâts qu'il peut nous mettre en x1. Voilà. Donc l'archétype qu'on joue, c'est pas l'archétype clairement idéal pour aller faire du ladder, c'est un archétype ok, mais c'est pas du tout l'archétype numéro 1 pour aller faire du ladder. On n'a pas vraiment le choix, puisque bah, le golem s'en sort, on a encore le prince ténébreux et l'électro-dragon qui sont au niveau 12, même si notre électro-dragon n'est pas très loin de monter. Je vous montre après. On vous montre tout ça tranquillement. Là, on pense pas de golem tant que lui... J'aurais limite même pas dû mettre les squelettes, mais... On pose pas de golem tant que lui n'a pas posé son géant. Même en x2, on attend. En fait, si vous faites ça, vous posez direct un géant MG ou un prince n'importe quoi et vous perdez directement la partie, donc c'est super compliqué. Ici, nous, ce qu'on va chercher plutôt à faire, c'est à essayer de partir golem sur la même lane que son géant. Voilà, ça va être un peu l'objectif numéro 1, et idéalement sur une situation où on a tous les deux un petit peu investi déjà de l'élixir, par exemple comme ici. Là, c'est un bon timing, parce que du coup, on va pouvoir en plus remettre un bûcheron, même si dans le poison, c'est pas grave, ça va aller découper son unité, on peut mettre une MG très très haute pour aller sniper un peu la mousquetaire en face, et au final, ça devrait être un trade relativement even, donc à peu près équitable. Et ça va être notre but, hein. Pour l'instant, on cherche pas à dominer la partie, on cherchera à dominer un petit peu plus tard la partie. Là, on peut juste pull L, si on veut aller essayer de la tuer avec le dragon. Non, ouais, ok, non, la tornade était toute pétée. C'était une tornade toute pétée. Il va géant devant, vous pensez, ou pas? Non, il le fait pas, ok. Ah, ok. Ok. Alors là, clairement, là, par contre, ça a l'air un bon timing de golem. Parce que du coup, on a un avantage en élixir. Et là, on peut préparer un énorme push. Énorme et sec, c'est tout ce qu'on veut au niveau du push. Alors, on va faire ça. Ça va ralentir son prince, ça va l'arrêter, on va pouvoir l'accompagner un petit peu plus. On va remettre un bébé dragon au tornade parce que là il y a l'explosion du golem et également on pourrait potentiellement prendre la mousquetaire, ce qui n'a pas été le cas ici, c'est pas très grave. Là on est en train de mettre des énormes dégâts, on a les golemites connectés sur la tour et on joue foudre, donc à tout moment on pourra aller finir à la foudre s'il n'arrive pas à nous le sniper avec le reste de ses unités. Là je vais juste bourrer un peu parce que j'ai envie de recycler sur la foudre, j'ai envie de faire une value quoi qu'il arrive en fait de la foudre avec le reste de ses unités. Voilà, ça prend le bâtiment, c'est très bien, le géant tombe, ça se passe bien. Donc 30 trophées. Ok, 30 trophées, on est joie. Jusque là, on est très très joie. On ouvre le petit coffre. Oh, du sorcier incroyable. Incroyable. Eh, on a bien fait les 4 mineurs. Faut jouer le pêcheur. Non, je parlais de jouer le pêcheur. On en est où dans notre passe royale. Découvrons ça tout de suite. Alors, on a débloqué 1, 2, 3, 4, 5. Wouh. Plein de paliers. Ok, il y en a 35, on est déjà à 15. Évidemment, on les garde pour faire une vidéo au déblocage passe royale. C'est important. Comme ça, on peut estimer réellement la value du passe royale. Ok, on est reparti. Donc après, ça dépend vraiment des archétypes. C'est comme n'importe quel deck, le tout, c'est de bien connaître les match-up et savoir comment jouer contre. Il est comme moi, il n'aime pas poser des golems en x1, il préfère largement les poser en x2, ou alors quand il a un énorme avantage sur la partie. Ou là, dans ce genre de cas, quand il va sur contre du géant ou autre, je pense que c'est un cas relativement similaire. On en va juste le B-Dragon. S'il pose beaucoup plus d'unités, je vais mettre une foudre, je pense. Parce que sinon, mon B-Dragon, il va quand même se faire auxir par le sorcier, ça va être lourd. Ok. Honnêtement, je pense que c'est mieux de faire ça. Alors, c'est discutable, mais... C'est discutable. Ouais, clairement, c'est discutable.
Moi j'aime pas trop les géants squelettes, hein. C'est une de mes pires unités en golem, je déteste jouer contre ça. En fait, géant squelette, le problème c'est que ça va retirer toutes les unités du golem derrière le golem, ça va complètement annihiler votre push, donc vous pouvez pas faire des énormes push sur votre golem, ce qui pose évidemment des gros problèmes. Vous devez l'accompagner au minimum et essayer limite de repréparer des golems de l'autre côté ou jouer sur une erreur adverse. Là je vais partir en golem parce qu'il a mis une fournaise fond de map et que je peux faire de la value dessus et que sinon je suis obligé d'un peu perdre des unités de dragon, squelette, etc. Là je pense que je peux faire une bonne value qui va avoir du mal à défendre le golem parfaitement. Il y a même moyen que mon golem mette des dégâts très corrects. Là il met une unité à single DPS, donc je vais directement mettre également une unité à single DPS. Voilà, le golem est connecté sur la tour, un coup de golem, une explosion. Il rajoute un zap, alors on va pas forcer, hein. Donc clairement on va attendre. Lui ce qu'il va vouloir faire c'est rajouter un géant squelette devant, je sais pas s'il a déjà l'élixir ou pas. Ok, ça nous dérange pas trop. On active tranquillement, on défend le sorcier avec le dragon. Même si ici il nous met un coup, ça serait pas dramatique. Voilà, il nous met un coup. Rien de drama. On a le 3 qui est activé, donc on pourra gérer le prochain cochon. Ici, on va sûrement aller mettre un bûcheron pour aller tomber ça. Comme ça, au pire, on se prend pas les dégâts de l'esprit de feu. On tue la princesse avant qu'elle nous gratte trop. Et là, on va arriver dans un moment où voilà, il va falloir géant squelette. Ok. Alors, comment on le gère, lui? Ok, on va tenter ça. Because it's fun, voilà, parce que c'est rigolo de le faire, pas pour des réelles raisons de technique particulière. On met le petit squelette pour gérer ça, donc lui il a mis 5 mini PK, jusque là tout va bien, il va dépop notre push, on est triste, on est chagrin, mais c'est pas grave, on va sortir de la nuit. Ok, sans def au cochon. Là même s'il zappe, normalement la sorcière devrait pas trop mal défendre, ah, rajoute un dragon quand même, ouais, okay. Bon là j'aime pas trop cette play que je viens de faire, mais en même temps ça me permet... alors deux secondes, hein, je me concentre un minimum. Okay. Ouais c'est clean. Ok c'est clean. Wouhou! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait une foudre! On fait une foudre! Ça suffit! 446 évidemment. C'est pour ça qu'on a mis cette foudre, hein. C'était évidemment pour préparer une deuxième foudre pour aller cycler et finir la partie. Bon, déjà on est à 5393, on débloque un nouveau pass potentiel. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, Tesla! Incroyable. Bon, on gagne de l'or, c'est bien. On gagne de l'or, on est content. Let's go. Évidemment, les communes, on finit par toutes les avoir un petit peu au max, donc on a beaucoup de communes, donc ça vient vite de l'or. On est contre Danik de Burgos Spain. Donc là, on est sur du ladder, donc on peut tomber sur absolument n'importe quoi en fait. Donc, évidemment, on essaie de faire attention. Okay. Alors là pareil, à part mettre un bûcheron fond de map mais qui serait allé s'écraser chez l'adversaire, il n'y avait pas 30 000 meilleurs plays, donc un bébé dragon, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, c'est pas forcément le play de l'année, mais ça a le mérite de, voilà, de faire l'affaire. Alors lui je vais le tuer direct parce que j'ai pas envie qu'il soit trop accompagné son géant. Ok, c'est un play correct ce qu'il vient de faire. C'est pas incroyable, mais c'est correct. Parce que là, du coup, il se met bien en élixir, parce qu'il va, il a plus d'élixir, il va pouvoir gérer le bûcheron, et moi je vais devoir galérer à défendre sa horde. On va faire comme ça. Ok. En vrai, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, clairement. On n'est pas trop mal. Hop, je reviens. Ferme juste la bébé de porte. Hop. Ok. Bon, là, évidemment, nous, on va attendre un peu. Donc, on a vu qu'il joue un géant horde. Géant horde. Donc la horde ça peut être très embêtant, il faut vraiment avoir Bébé Dragon et compagnie pour la gérer facilement. On a vu qu'il jouait également du fuche. Ici je vais juste poser un golem, je pense qu'il va remettre son sorcier, donc je vais juste poser un golem. Espérer que le golem tank un minimum pour pas que ce soit la sorcière qui se prenne trop l'aggro. Oh non, pas ça! Pas ça! Non! On n'est pas d'accord? On n'est pas du tout d'accord avec ça? Ok, on va tuer ça parce que ça va m'embêter là. La horde, on va essayer de pas trop claquer des tirs dessus. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Juste ça va bien. Ouais, c'est parfait. S'il faut l'autre bout du monde pour tuer du squelette. Hein. Ils ont faim. Les minions, ils ont faim. Donc, dernière carte qui est jouée, c'est la horde. Il récupère donc 4 cartes. Ok. Jusque là, tout va bien. Partir en golem même lane. Il va avoir géant devant, hein, c'est sûr. Voilà. Ok.
Faut essayer de garder la foudre, hein. Ouais, le problème c'est ça. Bon, est-ce que au final, ouais, on va juste def comme ça avec un bûcheron derrière. Bon, lui, on va le sniper avec Bédragon. On attend de voir s'il y a de la value à se faire. Ah, il y a de la value. Allez, il y a de la value, on prend. Salut toi. Allez, on gratte un peu à toi. C'est bien le Bédragon sur rage. C'est exactement ça qu'on voulait. Bon, Bédragon, ça. Bon, par contre, faut gérer le prochain push. C'est ça qui va commencer à être compliqué. Ok, je crois que je vais devoir sacrifier mes unités les plus sympathiques. Non! Non, je voulais mettre le bûcheron, je me suis raté, je voulais mettre la tornade de l'autre côté. Oh là 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 là, je suis obligé d'accepter les dégâts. Ça va, j'accepte les dégâts à gauche. J'accepte les dégâts à gauche. Ah, je fais n'importe quoi, je fais 6 miss kicks dans les touches, mais non! Bon, enfin, on a la foudre. Hein. Voilà! Bon, PES clic, ça se passe bien quand même. Ouais, comme quoi, hein, l'erreur est évidemment humaine. Oh, en plus, on a fait notre passe. Évidemment, on a fait le palier du passe, il reste plus que 20 paliers. Ça va tellement vite, ça va trop trop vite. Vous jouez à peine et vous faites 2-3 parties, tu fais bah, mais en fait, j'ai gagné 40 couronnes. Oh, ils sont un peu ratés, mes esprits. J'aurais dû mettre plus vite. Oh, j'ai pris un tarif. Oh, j'ai pris un tarif. Pas sympa du tout. C'est pas grave. J'aurais pas dû recycler. Là, franchement, c'était une erreur. J'avais pas besoin de le faire. J'étais pas là. Mon esprit était ailleurs. C'est pas grave. Alors, Bomber, Archer. Alors là, évidemment, vous attendez de voir la win condition en face. Pas d'overcommit. On prend le temps. Donc là, pour l'instant, du Prince, ok. Ok. On attend de voir. Un deuxième prince. C'est 40 princes, c'est une condition, c'est ça. C'est ça, c'est une condition, c'est d'avoir plein de princes. C'est possible, hein, c'est possible. Tous les moyens sont bons, évidemment, pour conquérir. Hein. Ah oui, d'accord. Mais calme-toi, mais calme-toi. T'as le temps, ça va bien se passer. T'es pas obligé de mettre des rages, des potions comme ça. King Omar, il n'y a pas le temps. Ok. Bon, les archers. Les archers. Un nouveau prince, ok. Ça coûte cher, hein, mine de rien, de gérer ces princes. Hein. Il aurait fallu qu'on ait les squelettes en main. Bon, pas, on va se dire par les avoir en main, ça va mieux se passer. Là, ça nous coûte assez cher en élixir. Je pense qu'il va renvoyer quoi? Un prince cloné fond de map? Un prince miroir fond de map? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment? Dans la tête de l'adversaire. Pas fond de map, mais quand même un nouveau prince. On va prendre des dégâts ici. Mais je crois qu'il vaut mieux les accepter. Et avoir deux unités sur le terrain qui va devoir défendre. C'est des amis chers. Des amis grave chers. Oh là là. Ok. Allez. Il ira pas plus vite que le golem. Il ira pas plus vite que le golem. Non, non, il ira pas plus vite, on a dit. Ouais. Ok. Maintenant, qu'est-ce que t'as comme gros sort, mon ami? C'est vrai que j'allais te faire découper par le bûcheron, on est d'accord. Moi pour l'instant, j'ai pas vu de bonne raison de ne pas envoyer un bus, donc j'envoie un bus. Ok. Double bomber. Oh là là, oh là là, où ça en fait l'unité tout ça? Où ça en fait l'unité? Ok, très bien. Ok, t'as mis plein d'unités, très bien. Il te reste 24 secondes pour que tu viennes tuer chez nous. On a des squelettes pour gérer tes princes. On a également de nouveau un golem. J'ai pas vu que t'avais des dégâts directs, donc d'où je vais être un golem. Comprends, j'y peux rien. Ah, tu pars de l'autre côté, d'accord, mais si tu pars de l'autre côté, tu vas quand même te prendre des squelettes middle map. Tu vas quand même te reprendre lui par là-bas. Ensuite, tu vas revenir là-bas. Ok, bah ensuite, tu peux connecter. Mais est-ce qu'en 2 secondes, ça suffit? Je pense pas. Je pense pas. Voilà, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, malheureusement. Et ben voilà, c'est à ça qu'il faut être prêt quand on joue à ladder. C'est à avoir absolument tout. Et absolument tout, ça peut faire évidemment très très mal très rapidement. Alors, charrette à canon, c'est bien en golem. Est-ce qu'on prend le risque pour obtenir du prince ténébreux et de l'électro-dragon? En vrai, je pense pas que ça soit, que le risque vaille la. Enfin voilà, non. Il vaut mieux prendre la charrette à canon, je pense. On ajoute à la file.
5451 trophées. Et voilà, c'est la première petite vidéo ladder. Donc au final, j'ai peu eu l'occasion de bien vous donner les conseils du Royal, parce qu'on a beaucoup, c'est contre du PK, et je voulais avoir le PK en face. Donc on va refaire des vidéos, et du coup on écumera les conseils au fur et à mesure des matchups que l'on rencontre. Allez, on va vous redonner 2-3 astuces. Pas de golem en x1. On attend de connaître complètement le deck en face, on joue très défensif, on fait gaffe à sa cycle, on n'hésite pas à leak de l'élixir, et si vous êtes en golem contre golem, vous partez dans le coin de la map. On verra justement quand on rencontre les matchups, on va les jouer. Et je vais essayer de vous expliquer dans la meilleure mesure ce que j'ai appris et ce que j'ai retenu des enseignements de Maître Royal. Il y a également beaucoup de trucs, hein, comme par exemple, est-ce que mettre un golem au point c'est intéressant, ou mettre les golems, quand mettre les golems devant la tour du roi, etc. Il y a plein de trucs, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, on va évidemment monter, hein, donc il y aura de l'occasion de faire plein d'idéales. Excellente journée à tous.